dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son bercail. Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles, Amen. Dès le matin, mon cœur est prêt pour te chanter. Alléluia, alléluia. Hymne des Vendredis, page 22. Nous te rendons grâce, unique Seigneur, toi qui sondes les cœurs, juge miséricordieux. Nous te rendons grâce, ô Verbe éternel, descendu jusqu'à nous parmi les hommes. Ô l'invincible Dieu, a voulu souffrir, donnant au condamné ton invincibilité. Justice que ton jugement, et l'unité ton commandement. On a traité comme un ennemi à Dieu, on t'a enchaîné comme un malfaiteur. Bafoué, méprisé, abandonné par tes amis, tu as accepté une sentence injuste. Par la parole, tu as été jugé, pour ton silence condamné. Pour les épines chargées de la croix, tu as été élevé de terre. Nous devons vouloir, Père, donateur de vie, qui s'est exalté dans la gloire, source d'espérance. Psaume 68. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Épargné son propre Fils.
car les hommes sont entrés jusqu'à l'âme. J'enfonce dans la bourbe du gouffre, et rien qui tienne. Je suis entré dans l'abîme des eaux, et le flot me submerge. Les cheveux de ma tête, ce qui me nuise sans cause, et plus foisonnant que ma chevelure, ce qui m'en veulent sans raison. C'est là que je n'ai point dérobé, il me faut le rendre. Qu'ils ne rougissent pas de moi ce qui t'espère, Seigneur Sabaoth. Il n'est pas honte de moi ce qui te cherche, Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage. Zèle de ta maison me dévore, l'insulte qui t'insulte tombe sur moi. Que l'afflige mon âme par le jeûne, et l'on m'en fait d'un sujet d'insulte. Que je me massacre complètement, et pour eux je deviens une femme. Et moi, t'adressant ma prière, Seigneur, au temps favorable, en ton grand amour, réponds-moi, ô Dieu, en la vérité de ton salut. Tire-moi du bourbier que je t'enfonce, que j'échappe à tous mes adversaires. Que la bouche de la fosse ne me happe, que le gouffre ne me puisse dévorer. Réponds-moi, car ton amour est bonté, en ta grande tendresse, regarde-moi. Oh, ton serviteur ne cache point ta face, j'étrangle vite, réponds-moi. L'insulte m'a brisé le cœur, ma honte et mon affront sont sans remède. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. Oh, oui, ils m'ont donné du poison, dans la soif de ma mère. Sans ténèbres pour ne plus voir,
fait qu'à tout instant l'air à leur manque. Déverse sur eux ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Charge-les tant sur tendre qu'il n'ait plus l'accès à ta justice. Qu'elle soit rayée du livre de vie, retranchée du compte des justes. Et moi, vous laissez, que l'on salue fier de la grâce. Cela plaît à Dieu plus qu'un taureau, qu'une fente bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles et jubiles, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en est dite, et les amants de son nom lui demeurent. Psaume 98. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Le Seigneur est roi, les peuples tremblent. Il monte les chérubins, la terre vacille. Dans Sion, le Seigneur est grand. Il s'élève par-dessus tous les peuples. Il s'élève ton nom grand et redoutable. Il est saint, lui est puissant. Le roi qui aime le jugement, c'est toi. Tu as fondé droiture, jugement et justice. En Jacob, c'est toi qui agis. Exalté le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied. Lui, Dieu saint. Moïse, Aaron parmi ses prêtres et Samuel, appelant son nom, on appelait au Seigneur. Et lui, Dieu leur répondait. Dans la gloire de Dieu, il parlait avec eux. Regardez ce témoignage, la loi qu'il leur donna. Lui, le Seigneur, est devenu. Seigneur notre Dieu, toi tu leur répondais. Dieu de pardon que tu étais pour eux. Mais tu te vengeais de leurs méfaits. Exalté le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant sa sainte montagne.
pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Premier chant du serviteur, page 285. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai mis sur lui mon esprit pour qu'il apporte le droit aux nations. Il ne crie pas, il ne parle pas le monde, il ne fait pas semblant de savoir en effet. Sûr, il fait connaître le jugement, les îles attendent ses instructions. Il ne vacille pas, n'est pas broyé, tant que le droit n'est établi sur terre. Ainsi parle le Seigneur, qui a créé et déployé les cieux. Lui qui a fait le bien. Je t'ai appelé dans la justice, je t'ai pris par la main. Je t'ai modelé puis destiné à être l'alliance de la multitude. Je t'ai fait lumière et nation pour ouvrir les yeux aveuglés. C'est moi qui suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne céderai pas ma gloire à un autre, ni aux idoles la louange qui m'est due. Ô nos gloires, ô Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Théodoret de Cyre au 5e siècle. Jésus s'achemine de son plein gré vers les souffrances annoncées par l'Écriture. Il les avait souvent prédites aux disciples, et il avait même repris sévèrement Pierre, qui avait accueilli leur annonce avec déplaisir. Enfin, il avait montré qu'elle réaliserait le salut du monde. C'est pourquoi il se désigne lui-même aux hommes qui venaient l'arrêter, en disant « Je suis celui que vous cherchez ». Il est giflé, couvert de crachats, outragé, torturé, flagellé et finalement crucifié. Il accepte que deux bandits, à sa droite et à sa gauche, soient associés à son supplice. Mis au rang des meurtriers et des criminels, il récolte le vinaigre et le fiel, fruit d'une vigne mauvaise. Il est, par moquerie, frappé d'un roseau, percé au côté par la lance et enfin mis au tombeau. Il a souffert tout cela en réalisant notre salut. Par ses épines, il a mis fin au châtiment infligé à Adam, puisque celui-ci, après son péché, avait entendu cette sentence « Maudit soit le sol à cause de toi, il produira pour toi épines et chardons. » Avec le fiel, il a pris pour lui ce qu'il y a d'amer et de pénible dans la vie mortelle et douloureuse des hommes. Avec le vinaigre, il a accepté la dégénérescence de la nature humaine et il lui a accordé sa restauration dans un état meilleur. Par la pourpre, il a symbolisé sa royauté. Par le roseau,
il a suggéré combien la puissance du démon est faible et fragile. Par la gifle, il a proclamé notre affranchissement. Il a supporté les violences, les corrections et les fouets qui nous étaient dus. Il a été frappé aux côtés, ce qui le fait ressembler à Adam. Mais il en fait jaillir une source de vie. Celle-ci donne la vie au monde par un double ruisseau. L'un, dans le baptistère, nous rénove et nous revêt de la robe d'immortalité. L'autre, après cet enfantement, nous alimente à la table de Dieu, ainsi qu'on allaite des nouveau-nés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je ? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup,
qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il suscite le monde de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, sur notre croix et prophète. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Il annoncera son peuple le salut en rémission de ses péchés. Sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Non.
Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.